c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde. Et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. Maximum de portage. Au Mali, dans les mines maximum de portage. Aya portage en a des tout l'entier. Derrière des paravents, on a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est lui, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Corot? Tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Ça n'a pas de sens. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ça n'a pas de sens. On voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger. Areva a dit, c'est pas notre problème, et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz qu'il y a, tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc, on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur trois ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur trois n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et là... Allah Akbar. Sadiri, azubillahi minashitan rajim, bismillah rahman rahim, kala, rabbi isrli sadri, wa yasrli amri, wa huldada tan milisani, yafgaw kawli, alhamdulillahi rabbil alamina, ya jil jalali wal kiram, alhamdulillahi rabbil alamina, ya razaki, ya Allah. À l'heure des infos pertinents, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Ne balala me bagao, ala dangana na unmanye soukar konala bi, aya partagé. Amboraka parcourum na me sans sa, ne balala me bagao, parcourum inkomu, konye Afriki, nye mogo sabao sabala bo, o mogo sabala, mogo klembe jita buluka ami. Ni un mot sabao sabala bo Afriki jamana konala. Afriki ni continent bible bain. Continent mi jama bina chani chini. Continent mi jama bina chani indi. Kuni a mot sabao sabala bo. Mot sabao sabala. Mot kelme jito buloko mi. Ni un mot sabao sabala bo. Mot kelme kombe ko ofa. Vraiment, anga jamana beka se niveau doma. Anga continent beka se niveau doma. Ça veut dire, on a même plus calcul à faire. Ça ni ko plus be calcul ke. Plus tu fais de l'analyse sur notre pays. Saribi reininga amena munike 600 dorénavant ibi reininga sidao mo otma ameka analyse min kebi en siglin otma président mon me fanga la sidao la président mon me ka afrique dirigé ouve ouluteni analyse nous donné ouve ça va pas chez eux. Donc c'est les questions à se poser ni na Niger la djé kelebe jamana min no fait bi nous me faire jamana min ke nouvelle ordre d'oi parce qu'ils sont très clairs, c'est ils verront notre continent nouvelle ordre d'oi. To vous voyez, là, il y a un amena. Depuis Hillary Clinton me fait la tmamina. Ce n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut pas qu'il y ait un mot de yana. Il faut que vous croyiez quoi. Donc, on a dit que nous avons un peu de pétrole. On a dit que nous avons un peu de pétrole. On a dit que nous avons un peu de pétrole. On a dit nous préparer depuis ou laisser là. Pour que nous avons un peu. Donc, c'est la nouvelle ordre. Pour que nous avons un peu de pétrole, nous avons un peu de. Pour que l'on a foko, c'est là où on nous met à foko, mais Niger, quel est? De quel niveau dénominateur on doit le battre, ces dirigeants? C'est là où on a foko, tout le Niger, il y a foko, et arrivé à Niana, nous, les compagnies, nous, les compagnies, nous, les Français, compagnie. Pourquoi nous, les compagnies, quelques millions de dollars,
walasa u bɛ se ka irrigation créer u ka jamana kɔnɔ cogo min na pour que Niger bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka balo a yɛrɛ ka sɛnɛ la. Ne bala na mabagaw ne y'a fɔ aw ɲɛna ko Iriba ma sɔn ka a wari d'u ma aw bɛ se ka don o la wa? U ko k'u t'a di alors que wari min don Nigeria yɛrɛ de ka wari don ANEM c'est l'argent de Niger parce que Ariva bɛ k'u ka jamana ressource de bɔ masa min ala ye Ariva ko ko Niger k'a yɛrɛ ta ko bɛ kɛ fulu sudi ko tɛ kɛ se ka kulu olu ɲɛnama donc c'est ce qu'il s'agit ici. An b'o la heure min na an bɛna diɲɛ break news dɔ da aw ma très rapidement a b'a dɔn ka fɔ ko Asimi Goita Simo Dagantigi ale ni Poutine u kumana telefɔni na son excellence Asimi Goita ani Poutine u kumana telefɔni na an b'an da don o la k'o da aw ma. Asimi Goita ni Poutine kumana u damagara kuma caman na u ye mun de fɔ j'ai eu un entretien téléphonique avec le président Poutine. Nous avons évoqué la situation du Niger. Il a souligné l'importance d'un règlement pacifique de la situation pour un Sahel plus stable. Donc, Asimi Goita ko kaleni Poutine kukmane ou bena kumadumeneka ou bena ko vraiment ko prombe Niger konala, prombe Mali konala, prombe Burkina konala, prombe Sahel la. Ko vraiment ko ka ako ko ka problème ko ka régler pacifiquement ko te dore ko ka problème ko ka la ben ka so ma ke kele ka problème na ben ka so ma ke woyoy ka da kan sini kele wu la Sahel la kele na wuli Afrique fan beli notre continent va être dans les chagrins que le monde n'a jamais vu. C'est dire ni kele wu la Sahel la ça va être plus grave que la 3e guerre mondiale abe djugani guerre mondiale. Parce que là, il y a un homme qui a été fait pour le bécan. Donc, il y a un homme qui a été fait pour le bécan. Bon, ici, il y a un miracle. Alassane Dramane Ouattara a été fait pour le bécan. Il y a un homme qui a été à part Alassane Ouattara, Macky Sall. Et puis, Patrice Talon. On est Nigeria présent. Il y a un homme qui a été fait. Allez, les Américains ont été fait pour le bécan. Les Américains ont été fait pour le mɔgɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ y'u si bɛ kɛ mɔgɔ faga la n'o ye Ameriki ni Irisila ye olu de y'u si bɛ kɛ mɔgɔ faga la olu de bɛ gɛrɛ kɛ ka tila ka bɛn ko dugu jukɔrɔ ka sɔrɔ tɔw t'a kalama olu n'u ka ko bɛɛ olu yɛrɛ ko vraiment ko nin kɛlɛ in kana kɛ. Et quand tu te dis que c'est un Africain qui va avoir l'audace de dire que lui veut que les Africains se tuent vraiment c'est quelque chose qui doit déranger le monde. Donc Poutine ko ko kɔni ko in na bɛn pacifiquement ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye. Comme ça, bébé, il t'a sur là. Donc, Poutine ni Asimi Goita, ou quoi, Kuma Benoureka. Donc, si vous voulez qu'on vous fasse un ko qu'on vous fasse un focal ni Poutine Kumana. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Ambola Hermina ne bala la me brao, Angato Alsa et Niger. Amebomoun Kalama, Nigeria, nous nous koube sous ta donnée, Kuba à fo, et Niger Konala. À Alabaka Barala, Nache, Alabalikote, Diakonode. Ne bala na me bagaw ko Allah subhanahu wa ta'ala ale bali ko te je kono afora Nigeria ka wuye ku ka sabali afora Nigeria president yana ka ka sabali ko mo mo wa ese ki be dankari farafina na ashima se ka bo ala here la. Ne bala na me bagaw masami alaye Nigeria so u ka surasu u ka surasi ba a chamamba de farabi awo Nigeria surasi chamamba u ka surasi blebon ha fitinu tere u ka surasi blebon. Ye fam, olu de datugula tunu kɔnɔ bi. U datugula tunu kɔnɔ cogo jumɛn? U natɔ de kunun ka bɔ u ka mission dɔ la. U natɔ, donc u ni terroristes y'a kari ɲɔgɔn na. Donc on peut dire que Biafra est de retour à un moment donné, si on peut, si le mot peut nous permettre. Les terroristes ont tendu une embuscade à un convoi de l'armée dans l'état du Niger. Nigeria, des terroristes ont tendu un embuscade à un convoi de l'armée dans l'état du Niger. Donc, qu'au Niger Marala, Nigeria ka surasi do kumeka teme au srafe. O surasu teme tola. Masami alaye, terroristes mounou men Nigeria, ou lou flene ka Nigeria surasu de attaquer en plein day. Au Nigeria, tient trois officiers. Donc, où est-ce que ceci ça va? Nigeria ka ceci bleba ça va? Où est-ce que tu n'as qu'on? Supérieur et 20 autres soldats. Entiala. Tiens trois officiers supérieurs. Où est-ce que ceci nous met sans faire les là? Où est-ce que ça va faire? En même temps, quand la ceci m'ouvre, on va faire au fera.
au fraka mais olu te supérieur oui. Donc si tu regardes bien ni bi mais ça mais alaye Nigeria vient de perdre 23 soldats sur 6 mois ani saba ou le fraka le Nigeria vous avez vu fanga be alaye ya tawakkaltu Allah ala ba saba asawulike fahalul mayurid moui ala dia aborike ne balama le mbrao ni le flene kake Nigeria la son adaina. Ils ont tué, les terroristes ont assassiné 23 Nigeria et de Nigeria. Mon fils, moi, ni Sabala. Sabaye, officier, blibli, baudi. Koumine koufa, ferbe si, ferbe clé. Donc, à fora qui kato, klima to, kona to ni koro, ki klima tche. Donc, je crois que Nigeria tabou au niveau de là, ni est bien fora de dame netolaye. D'après les informations, comme il y a un foyer, au couloir, la mocité qui date au Kmaïna, bébé qui mouna à crefe, parti que connaissait la président Kabouboulou. Kabouboulou, là? Koube qu'un négociation de quai, à cas choisi, il va diriger le Nigeria, ou bien il va faire l'affaire de blanc. S'il veut faire l'affaire de blanc, les militaires vont diriger le Nigeria. Au droit de mettre le camp. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ne balan le mebrao, Nigeria, Bakoroni, Kouma, Bobara, Datoum, Kébini, Dalou, Mouraka, Djamanakoula. Donc voilà l'une des raisons que la CDAO peut déployer des armées et des armées. Donc CDAO c'est comme que 600 net au coup d'anté ou quoi coup bas coson moko munumbu bulo 600 ou coup le déployer 100 ou le katakani terrorisme mon Nigérien soldat souffre à la nakraire comment. Voilà des bonnes guerres. Où est Alassane Dramane Ouattara? Les 1000 contingents ivoiriens, ils peuvent les envoyer à Nigeria, car on vient d'assassiner 23 soldats de Nigeria. Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé, qui doit écrire son propre histoire. Hein? Borontan, Maminta Borodon. Masami Alayene Balanamebrao, voilà la CDAO devant vos yeux. L'organisation qui est financée par l'Europe, 72%. Qui finance contrôle. Bon, mais finance dit, ou retail organisation. Donc, ma samie, alaye, en bas au niveau de la 600. L'attaque contre le convoi de l'armée est la derrière d'une série d'attaques meurtrières. Est la derrière d'une série d'attaques meurtrières par des bandits dans l'état du Niger. C'est derrière moi. Des bandits ont tué des dizaines de personnes et enlever des centaines d'autres. Les attaques ont déplacé des milliers de personnes et provoquent un peu et une insécurité généralisée. Donc, ma sami alaye kok le temps là-bas, on est ni kalo là-bas, Niger Marakonala, on est Nigeria Marakonala, qu'on est bani nous mega mofra, ou mega mo la déploye ka bou sigoro la. Kube kani ke djia dongo do dougou djia koutan. Kube mouro badena bou plasi la. Kakla ka mouro baden fa. Donc je demande encore. Et la CDAO. Où est la CDAO? Est-ce que ça c'est pas de la bonne guerre? Mouna CDAO te wuli ka mouro blagata ni kelenke. Ou ta ke. Mais si c'est donner l'Afrique aux blancs. Ils vont faire ça. Ils vont déstabiliser notre continent. Le crash de l'hélicoptère. De la NAF. Est un nouveau coup porté à l'armée nigériane. L'armée a du mal à continuer les activités des bandits dans la région. Le crash met également en évidence la vulnérabilité des moyennes aériennes aux attaques de bandits. Masami alaye ne balan la mbaga onin kokera kele baide ngatie non seulement bandou et Niger sera souffra mais ou klakwa hélicoptère fait le bombarder. Donc cela vous montre que de quelle capacité toi vous prenez le grand sur région déstabilisé. Donc à Bikononina, ko Afrique bébé franyonga, kasega ni kelemba, faut dire nous vraiment à la mouda nyetaka kama ou sera franyonga. C'est dommage. Netaro anga jamana nyemugo be fanga ke muyi kwa ben ala na kratie. Qu'est-ce que les dirigeants de l'Afrique veulent à la jeunesse africaine? Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on va se poser comme question. Parce que la solution n'est pas seulement les coups d'État aussi, ils sont très clairs. Parce qu'il y a des coups d'État qui sont les ministres qui coups d'État qui ont fait, ni qui ont fait, ça n'arrive bien pareil. Hein. On doit se poser la question à un moment donné, pourquoi les leaders ne peuvent pas se réunir pour vraiment libérer notre continent
et que nous et les blancs s'assoient pour faire de l'affaire ensemble. Pourquoi on a été présenté Franjonga car demain un problème n'a pas pour que la solution soit là. Nous toquer c'est vrai là ou bien la guerre ou elle n'est pas moins quelqu'un fait. On aurait pu quelqu'un demain ni moi fait. On n'a pas de choix parce que nul ne peut contrôler un pays qui a un cri de stabilité et de pouvoir bien vivre leur vie. Matsiko contrôle où. Il y a guerre ou les demain là. Il y a kuruta ou les demain là. Moi voulu somara jona fakata kuruta keo. Ni a kele do beka ke kele inte ka ban. Mo be sekan ko kele te ka ban mo be ta kuri take. U be note ko be mo mo ne mo te barala. Mo be ko mo be to barbala la mo be dimi mo be ta kuri take. Un leader tu dois résoudre le problème qui est posé devant vous. Ni mo kele do be kele uli jamana kona la. C'est inévitable. Même quand on a fait coup d'état en Côte d'Ivoire même avant l'arrivée de Alassane Ouattara parce que il y avait pas de l'éducation en Côte d'Ivoire à l'époque au fils de Ari Konan Bédié. C'est pour cela qu'il y a des dirigeants à l'époque. Donc chaque fois, si les dirigeants ne peuvent pas vraiment mettre les choses en place, ils font. Et tout ce qui est au Rwanda, donc Nyoroina et Nigeria et vient de payer le prix. Donc on dit ici bravo aux terroristes. Oui, oui. Vraiment, mais terroristes, il faut Nyoroina. Parce que tiens, et Nigeria, nous devons faire quelqu'un, ou quoi, quelqu'un qui est ou quoi, hélicoptère, quelqu'un. Au bombardier là, qu'au détournement, tu as connu. Ma samie, à la yé, qu'à quoi, sur si, moi, Annie, ça va qu'on fera, devant l'opinion internationale, et la CDAO. Internationale, et la CDAO. Donc, à quoi qu'elle a, moloué, ça n'est pas là, mais bravo, faga, donc, à fori, en a demandé à nous, ou contrôler notre mina, toi, mon boulot. C'est de la honte. C'est-à-dire, les blancs contrôlent notre sous-région d'une manière qui est inimaginable. Nénénéna, à faux, en yéna, n'est pas là, mais bravo. N'a me coumala, Hermina. Et Gabon, je fais Gabon. Gabon, Gabon, lycée de Gabon taille. Pour que Gabon a beau qu'un indépendance fêté, nous venons qu'être dans quelques jours. Masami, à la année ballon la même bravo. Gabon, mais autorisation de Nimi Francis fait. Pour que c'est quoi indépendance fêté ou quoi du gros d'eau. Aïe, amené à quoi la mède. Neko, moi Gabon. Gabon du gros d'eau, Gabon. Gabon du gros d'eau, bimbi. Ou quoi du gros ou tate. Ou bien aller ou quoi indépendance fêté. Pour qu'on ait une indépendance fêtée en 2023, Gabon doit demander permission à la France pour fêter leur propre indépendance. C'est immoral et grave. Donc, un président qui ne peut même pas donner la souveraineté à son pays en 2023. On peut dire que Gabon l'armée française connaît les forêts de Gabon plus que le Gabonais, plus que les militaires de Gabon même. Ça dit, Francisca Surasu, ou bien Gabon a forêtsi, nous et Gabon a n'enflomaroui, ou bien Gabon a Surasu, il reste structuré, n'y a donc à te mettre Gabon Surasu, il reste. C'est pas mes dits, hein. C'est les dits d'un dirigeant gabonais, mais ça, on m'a salé à Kalla. Je veux privilégier la souveraineté nationale. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée de Yomba jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français. C'est un territoire français. Nous aurions le défilé du 17 août dans quelques heures, entre guillemets. Le gouvernement gabonais ou le Gabon demande une autorisation à la France pour défiler. Et on se dit souverain. Donc, il faut revisiter ces accords. Il faut que les Gabonais le sachent que du lycée de Yomba jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français. Et nous sommes chez nous et nous pensons que nous sommes Gabonais. Alors, nous revendiquons la souveraineté. Donc, il faut revisiter ces accords. Vous êtes rentré dans les accords secrets pour faire une telle affirmation? Je suis partenaire social. Bien. Continue. Donc, je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et ce que nous allons faire également, c'est de revisiter les accords militaires. Vous avez, je n'ai aucun problème avec l'armée française, je n'ai aucun problème avec la France, hein. Mais ce sont des abus que nous allons refuser. Vous savez que l'armée française connaît mieux la forêt gabonaise que l'armée gabonaise et connaît les richesses du sol et du sous-sol gabonais mieux que l'armée gabonaise. C'est une incongruité, ce n'est pas normal du tout. Donc nous allons revisiter les accords. Et nous allons faire en sorte que l'armée française
partent du Gabon de manière progressive. Donc le dispositif militaire français, vous allez le démanteler. Progressivement. Progressivement. Pourquoi? Parce que si nous sommes un État souverain, nous n'avons pas besoin d'une force étrangère au Gabon. Nous pensons être souverains. Nous ne savons pas. Le Gabonais, nous faisons d'entrer pour ma Le Gabon est le coup, qu'eux ne sont pas souverains. Gabon dirigeant de l'ONU, qu'eux ne sont pas souverains. Que Gabon, que Français et Gabon militaire structure n'y ont pas Gabon président américain. Français et Gabon du coup donc attendent Gabon président américain. Ou Gabon classe française Gabon retaille. Gabon lycée Mimbé, nous faisons Gakan, ou quoi défiler Gakan le 17 août, dans quelques heures. Au défilé Gakan, Yoromika, le Gabon doit demander permission à la France pour faire défiler de leur indépendance dans leur propre pays. Donc le cas est grave, mes chers compatriotes. Est-ce que analyse comment Natouni? Où est la CEDEAO? Est-ce que ça, c'est pas de la guerre pour la CEDEAO et l'Union africaine? Ça, ce n'est pas des raisons pour l'Union africaine de se rassembler pour dire que le Gabon doit devenir pour les Gabonais. Ou bien cela ne vaut pas le coup de se rassembler. Ça ne vaut pas le coup de dire que le Niger n'a pas à boire. Ça ne vaut pas le coup qu'en Afrique, au Sahel, dès Saba au Saba, dès que l'Imbé Saba, ça m'a dit sur le Kami. Dès Saba au Saba, dès que l'Imbé Saba, parce que d'où nous t'avons le cadre. L'Union africaine n'a pas de topic à discuter. Pour vraiment, s'ils veulent mettre fin au coup d'État, ils n'ont qu'à résoudre ces problèmes. Mais en réalité, là, on y a quoi. La Côte d'Ivoire est pareille. L'aéroport de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire appartient à la France. Abidjan Palais, Alassane Ouattara Beta, Bokeh Palais Minkono, à Palais Tataï, ça ne lui appartient pas. Le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Je mets quiconque au défi. Ça appartient à la France. Abidjan Palais est France-Italie. Abidjan Aéroport, Abafo Aéroport Mako, c'est joli. Ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça appartient à la France. Mais au moins, les Gabonais, et ils ont été honnêtes. Gabonais, Oulou Sinkola. Oulou de Borasang à fort. Qu'au Gabon, qu'au boulevard de l'indépendance, tout taillé, ou qu'à université, tout taillé, ou qu'à militaire, tout taillé, ou qu'à forêt, tout taillé. En 2023, et la France disent que les Africains les détestent, on dit que ils sont les anciens colonies. Non, la France, vous n'êtes pas des anciens colonies. Vous êtes toujours des colonisateurs. Mais, on notait, foire, dès que nous créons mec auto, avec un gang, on là, ou le nord, à Ben Alana Kratie. Que cela soit très clair. Foire des mounoumé présents là, nous traceka, ou quoi de mana kleke, ka ou joko tobu ka tobu ou sanaouni, ka gomme ni gere ne be tobu kuna, a beni swana watala tia ou ludo. Tobu mou, abe ake to, tobu bouloteko. Tobu bouloteko. Tobu yé mon nolini. Ni be tobu de l'yakon boulokon, mboulokono. Tobu de si ne be tobu la, ni to mousoma a fari sidi, a kasa de bebo. Tobu mani ko dongodo, abe doni lamne a fe, et dila, ka fari sidi. Baron. Tobu de ba fina ni la gara nyongona, ke ka uske fari ka usana le fari, tobu de bo fofra fina na. Kaka tobu demseni fitinu fanga tout la, nou beta entrement gagnon fe barka tout la. Ala e fe me dama gati moukan. Masami ala e ango jamana de flenye, kontina de kelime gisi yan, jamana kelime de toroba abeda kono ko fransi, fransi, fransi. Ne mana fraf, afriki prisa unye, bebe ki joko fransi, jamana tani nani, a bebe ka jamana kelime torofo. E ndesan, e ntika ala, che sebe la, sari, mogo mangi yere nini kwa, met moro la kwa, savo li ku kwa, nabe dusudu anama dem kono kwa. Sari, fransi nyo na flani klade bebo Niger drona. Francis ben mou meka kouma fotan. Francis mi flen nga jamana tan nani mara. Ni président nous nous be tourment nous ka cortège bao. Et je m'adresse à tous les présidents de l'Afrique. Ou koulomena ou. Mais c'est de la honte de leur part, hein. Ni jamana bribli bain. 14 pays. Jamana fitini nini. Francis bouyante te meninga. Anga boulonglona. Voilà la France qui est en train de contrôler 14 dirigeants de 14 pays. Si le mot me permet, tout le continent de l'Afrique. Parce que Ali Mouni anglais ou Kadougoui, les Anglais les sous-traitent à la France. Les Anglais les sous-traitent à la France. Et tous les dirigeants de l'Afrique
sont en train de dire que c'est une stratégie. Et je me demande, qu'est-ce que l'Afrique entend pour se faire libérer de la France? Quelqu'un va me dire que non, Dante, c'est fait pendant des années, on doit aller doucement, on est en train de faire des pas. Pas pourquoi? Pour se faire libérer. Capable de m'attaquer à votre jodie à la Kiko pas. Non, non, non. Il est temps que nos dirigeants et sachent que leur tournure banale ne va plus marcher. Ou comme nous salons encore là, ni Kumamgu Baye, ça ne va plus marcher. Mes chers compatriotes, voilà la réalité. Abidjan aéroport, Abidjan Taï, palais de la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est comme le Mali, en Adjamana, Asimi Gouita Renana, comme Mali fait un aéroport ou Kumuno fait un A toi, bec, mec, à frère. Alors, on a foué, glan, roue, bec, mec, à frère, toi, bouma. Donc, au John et Nodou. Ça, c'est la faute de la dirigeance. Donc, en nous, on a bi, ni n'a d'air au courrier, là. Ou ben, c'est là, on est, ou de la crème, ou coudou. Donc, il y aura un ame, boy, kata, mal, là. Mec, là, donc, quoi, Antoni. M'bora, c'est un gars, Kassongé, Kakuma, Soro. Kassongé, son excellence. Abora, Kakuma, Tchamafo. Abora, qui, kanto, ko, c'est-à-dire, Kassongé Kumana, son excellence. Kassongé Kumana, ne Kassongé Kumana analysé. Nebna Kangarda Kassongé, Yaka Savali, Marita Kelintaye, hein. Marita Kelintaye, ante mara dictateur là, ante dictateur mara, ne. On veut pas la démocratie, mais kafo ki wange jondi anga jamana kono. Ote marcherai, son excellence Kassongé, kano kaunade. Nga tche, ambe djera kassama yon fagano fe. Yefomu. Et d'autres tani gourou et sou, d'autres tana kamane, ibo dabla. Ne yaka kumala me, et j'étais bien compris. Wamene yaka kumane yon fomalen dimbe, et biye moufo. Yi kanto ko boko amenata volé na 600 ko volé na telia ni an sans flani clade ambe kachila ya entre assise la ko zoome na mamene donc ibora bi kanto ko zoome na libina damene kasonge son excellence nete na lumaye kasonge. Moi j'étais dans les meilleures universités aux États-Unis. Moi je suis parti à Miami University of the États-Unis. C'est l'une des meilleures universités des États-Unis à Oxford. Donc, soyez très clair. J'avais tout le respect. Il faut me caler un tenné. Il a droit de caler ma droit caler. C'est ça la différence. Moi, j'ai appris business, technologie et puis la communication. Donc, il faut qu'il m'entende comme la Malika bon. Quoi du coup, Kassongé. Il faut faire très attention au niveau de Kakuma. Tu es très suivi de près. Il boira ibina munka on amène à fier. Qui m'entende comme la Comment dirais-je, vous allez continuer avec la transition. Moi, je suis de la transition. Tout le monde sait que moi, je suis pour Assimi. Moi, ce n'était pas ce qu'on a promis. Et ça, c'est la réalité. Parce que nous, les fonds, on est né islamé. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad, Nabi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wadahu la sharikala, lahul mulku wa lakul hamdu, awa kulu shayin kadir. Nete galon teke mouko shiye, nete dadro di mouma. Ne boulou arama din dalakan, aka kornika djefembe, ou neka opinioni. Ou nebe sawka. Ne kore, awe ka fransi kwe ingela atomina, neta la tintoula, ne matobu ke fouchi. Awe kelente mali dronte, moi je m'adresse à tous les dirigeants de l'Afrique. Je crois que à un moment donné, ne ben à ce niveau man, ne ben analyser ben à ce niveau man. Après comme il a président nous, ou ben faut qu'a frappinge monsieur la nyokoro. Donc en a Tony anomalie en connala, c'est ce que moi je commence à me demander. Parce que net tado Francis Kelly ben c'est qu'a gelatome na kasi ni ben ma quoi. Moi je ne peux pas comprendre. Hein. C'était toi oui, toi vous te fossi, toi vous te fossi. Dina ou te wokloté. Ou bien quoi intérêt ni ni, en fait quand intérêt ni ni. Ne t'as pas aucun libre c'est ni même à tout moment. Donc amoula Erimina, akoko abena élection poussée, amekoko là-bas makono, on est en train d'attendre ça. Nera kumbulongo, amena campagne neke, nera kumpere nimbaro ngata malla, kata campagne qui assume goita. Mais donc koko élection est poussée, koko parce que koko Niger quel est madame l'influencier, entre abena tagaro mina bébé qui t'a fort. Moi je reste réservé sur ça. Mais ne m'amuse pas mieux que son gars analyse amena à fond y en a. Ni que son gars sans flan clair d'avoir la position à ma zone fouille mais la follow. Donc, en doux, en clibala, à tatmani, à kabalala, à borani, une phrase kéléni, à krampes kéléna. À borani, une phrase kéléni, kab noumine, faut bien m'amener, n'a montrou bintegala. Oui, follow. Deuxième élément, à karomi yen djoro, mais c'est kaka. N'était fanin baninkela ou supporter, n'est pas kléna fond yana. N'est comme mal, n'est comme mali kourouni karouma. Moi, vous êtes plus puissant, plus que vous vous imaginez. Moi, fanin ba aoula, aouita dondron. Américains, on ne met pas de casque, on ne met pas de casque, on est
on est Biden qui est président américain. C'est nous qui avons mis Biden au pouvoir. Breakfast Club de Biden qui est président. Ou on est Mali président, que cela soit très clair. Moi aussi, si tu es président Mali, là, en chroniqueur, moi, je nous supporter. Ou là, en association, si. Il faut un cadeau d'accord avec vous, d'accord avec vous. C'est nous qui va mettre le président au pouvoir. Parce que, en même temps, il faut malin de mettre au pouvoir. Que cela soit très clair. Donc, Roina, n'y a qu'à son égard, comment la main, à quel moment qui fait ça, d'un qui a une cybercriminalité, quand? Donc, il veut faire une cybercriminalité papier. À quand c'est même pas malin, malin becassoro. À quand c'est même pas malin, malin becassoro. Parce qu'en tenant son monde, quand on a un, qui vient en détournant le chouan, qu'on a. Parce qu'en me, comment m'y a beau, l'eau, quand pis. Ne kante fanin bari nke la omade. Ne kambe de manamana mwa mwune mwula nga jamana kono. Ke sa soa mwa mwune gouvernement na. Na me boka chie blen den fulu nye na. Anga chie foto. Kata manadare ou da anka. Anga nasaka do anfa jamana la. Oye fware a vide. Oka nakana ane. Sa se la lâcheté. Donc il faut pas kouka ka anna ya. Akana tasma do ko djoura ou seka mwufa kade. Ke cela soit très clair. Donc il faut ki ka loa inabore. Ika se ben bomane nga na beka famia. Il faut que il faut que Mamadou Binetta c'est même pas la beka famia parce que ne beka comment flare mais comment inconna là zone terminé boka faka rom na betke ni parce que kasonga na ni dadou kuma chamana e kanto ko munu boka mo won neni munu boka mo doya munu ba a publier munu ba bla ab komi a ko 600 ni doko 600 ko korokera ne a soronga source do la ne dalem au source mina ne ko ta 100 ko blanga pasi ka en bebe nyakata autrement munu beta mali bebla kasola. Il veut faire un dado en Sengon Rayala. Et tu veux qu'on ne peut plus parler dans notre pays? Moi, je ne peux pas parler dans notre pays. Moi, je ne peux pas parler dans notre pays. Moi, je suis contre ça. Moi aussi, je ne peux pas parler. Moi aussi, je ne peux pas parler. Ni ne peux pas analyser. Je ne peux pas parler. Il faut que je ne peux pas parler. Il faut que tu n'aies pas la capacité d'analyser. Sinon, il me sait qu'on me verser, il me sait qu'on peut analyser qui a point là, parce que pour l'autre d'abord, c'est un lieu de challenger l'intellectualité de chacun, et de défendre votre côté. Il faut moi, il me sait qu'à quel côté de là, ça c'est votre droit. Moi, j'aime Assimi Goïta, n'est-ce pas, moi, là. Moi-même, je crois que la neutralité, c'est de la lâcheté. Donc, moi, mon Assimi fait, moi, je les respecte. Ça, c'est leur côté. C'est ce qu'ils ont décidé. Mais cela ne me donne pas la permission qu'on fasse nous banini. Je peux les challenger, mais tout fasse nous banini. Donc, quand on a commencé à dire là, ne te fasse nous banini supporter là. Mais ne te fasse mon accueil en cybercriminalité. Qu'on dictateur a mené ce scandale, amène à mon communauté, à la honneur de mon gouvernement supporter, ou en a ce qu'on faut. Non, il faut qu'on ait droit à l'équipe. Il ne faut pas qu'on ait un euro là. Donc, quand on a un boulot, il faut qu'il se fasse. Mali fasse nous banini, il faut qu'il y ait un don. Ou même un gélon. L'État a toujours des moyens de faire des échanges. Allez, Mali Fanini Baningela, nous Américains, l'État a toujours des moyens de faire des échanges. Américains ont zombé les robes au boulot. Nakukabo doit dire Américains, c'est ça. Mon mec a outdoré Malla Kouka à la Sigama. Américains ont badoma au bout de 24 heures. Oui, ça c'est les affaires d'État. Au bec de Valaï Djedan Domina. Donc je crois d'entrer contre mais quoi c'est que au tient au béquet. Ama Poutine nga mon frère la barre contre Kassoula ya. Ama changer ni ou quoi parce que cela y est on m'a cassé cela y en a. Donc quand on veut faire le combat, mon cher Kassoungé, il faut savoir que les Maliens sont plus intelligents plus que ce que vous en pensez. Et à Kribe Mouna, on témoigne quand maintenant on met 300 degrés là et n'y a fait. On met qui bougnade parce qu'il y a un diamant n'importe quoi. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un bon travail. Il me sait qu'il y a une religion, il tabia, il me sait qu'à défendre. Que ce soit de m'ouvrir gassila. M'ouvrir ni bika tabia bouya, il te m'ouvrir ta droya. Ni bika, on est français pour quel est là. Alassane Ouattara, on est là pour quel est là. N'est-ce pas de quel est là, comme il va rien ou non. N'est-ce pas de quel est là, comme on est blané, comme on a deux. Alassane Ouattara a attaqué mon pays, le Mali. Il a affamé ma population, à ma kéa, au Macao Sikléna. Sinon, on est mort de me débarrasser. Je n'ai rien à voir avec Alassane.
Mais ni mon barima, avec la coule d'ima. Donc mon ni bien bouya, il te mourra droit. Quand tu as le respect de toi-même, ou la neko homme, ou tu as gouno et fin klimpedi, les hommes se rencontrent au niveau. Tu as bouillon kumbe bouya de camp. Tu as bouillon bouya de camp. Bouya te fait là, ou te coquetaille. Donc, moi, je me fais une banine, et je suis en air. Et au sang, je suis au banane, je suis en air. Moi, je me fais une banine, TikTok, je suis en air. Je suis en air. Je suis en air. Donc, je suis en air. Mais je ne te fais pas de cybercriminalité. Je me fais une banane, je suis en air. 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 Cela ne va pas marcher. Il faut que cela soit très clair. Parce que mon site n'a pas en blanc. Ante mon fanini, ante mon banini. Mais amanga analyse ke, wani mou main de malakon amanda mala. Pia! Donc, ne boulot, il veut qu'à ma c'est comme la sera ou là. A te marcher. Il y a un mouke, kasoumé, il m'a mouke, il y a un mouke. Mali zon, il coulumine, le damne. Mali fanini, banini, kela, il coulumine. Mou 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 reke, djia mouye bolo sans fait. Il va l'on a foukos, c'est des arnaques. Parce qu'il reste la mairie. Il va l'on a Nous, même mali glaçant ma sur un site na aventure là. Ni djina wuro ni djina 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 ni djina
donc mo kana sika sika o kana yere yere décision appliquée là ngo mo ministre ministre yera akola inati makarité munu kanta mine ukumine mais minu mafuike minu manka mine lufana kana tonyo donc anyo o message passé sans qu'on ait rien d'abolé ni à la sonama à quoi continuer à faire dossier menombe monobe qu'à traiter ou betelia dossier quoi au fana natodo ni à la sonama don nataula donc à bébé n'a déjà terminé qu'à foco il m'a pas donné une boucle là donc à quoi béa kouba yakata ya petit gomina et mi cybercriminalité ou y est sans quoi yambolo et ni à la dje Frafina tile bi yanfan fɛ ni Mali tɛ jamana si ma pour anti-cybercriminalité créé fɔlɔ on ma se k'o kɛ an de fɔlɔ y'o créé depuis a ɲinina Assise Nationale de la Refondation fɛ Assise Nationale de la Refondation a bɔra o recommandation de kɔnɔ k'a fɔ ko ka pôle dɔ créé min bɛ o baara kɛ donc an tilera k'o baara kɛ pôle sigira procureur sigira juge d'instruction sigira et juge au siège au Fana Sigra. Donc, en connu bien une forme brouillée. Et les réseaux sociaux a d'abord aidé pour que Mouro Kaseka Nroya soit au Kola. Il a séka Kunafoni soit au Téléala. Il a séka Ika Mouro Vélé. Il a séka Affaire au Ké. Mais Sharia Kono. Mais ni Bora Sharia Hokumu Kono. Kaké Mouro Neni. Mouro Doroya. Galon tigé en ce moment il est sérieux soso et ni est sérieux soso il n'y a ni minka kan obedi mara ou koni siga fou et tola donc ambe ni message que il n'a pas sensibilisation amba ni ni befe ou ka sabali réseaux sociaux ou ka utilisé à kanka utilisé cadre minkono à kunafoni soro ka ñokon nouvelle usoro ka document recherche ke ka sanou ke ka affaire chaman ke fin chaman de beke réseau kono réseau nana o teliali de kama mais ka réseau ta ibe mo won ni ibe mo dogoya ka mo burja ka mo escroqué a ka do rebla traite des personnes srakan ka do exploité ka do fanaka organo boku firé. Donc, ni réseau ta pour que ça va bouiller, franchement, il y a Saria Soso. Et ni Saria Soso, il n'y a ni Minkakan ou Dima. Et puis à ce niveau, il faut dire que Minoube a vidéo qui est, ou le Sembala. Minouba a publié, ou le Sembala. Minouba a commenté, ou le Sembala. Donc, ça veut dire que, à quoi, ah, Berekanga Sabali, en qu'on ne va ni Befe, Ama d'abord comme Rotoro. Ama d'abord ka problème la sem roma amba ni ni befe beka to anga dambe o kono bonya kono no kera réseaux sociaux il se ka utiliser il se qui fait la fo fouiti meni drama neni ane kora dona la mie sa réseaux sociaux koy en ce moment nyangini o be appliquer et puis anya fo procureur président ani juge d'instruction ani juge au siège ani brigade moro ou kan nyangini ke ko ka djuguya munu ma son ka sera falé munu ye sera falé il y a aucun problème mais munu ma son ka sera falé ou be to réseau kono ka réseau utilisé ka moro doya atébé mais ou be réseau utilisé ki donc ka songé ka kuma ni nyo de fa na ngo né ni keleke yan moi je suis avec lui mais il faut que il doit être spécifique. Ou kaboni ni charanye, ou ka se membo manangana follow ka da ama, parce que antitoa kanfo. C'est une très bonne chose. Mais n'te fait akake ko, parce que mali ko flenye, ko klenoun te. Sinon ni ko yere mena yere. Ni mena. Ye fom. Ni mena trop. Non, il faut, quand tu ne peux pas faire des débats intellectuels pour prouver votre point, il m'a ou te kake kroni kerye. On peut travailler intellectuellement. Mais, ne yere bolo, mou mou nga baraye fani ni banine bolo kan. N'est-ce pas le Malibé qui a mis à Koukan Koudou? Parce que, au cas où on dit que les États n'ont que des intérêts. Ni moi, nous ne sommes pas là pour le Malien, il est là pour le faire. Parce que c'est un bon argument. Tout ce qui est
tout ce que Kassongé a à faire, c'est de regarder quels sont les intérêts que l'Amérique a dans notre prison et faire l'échange avec la tête de cette personne. C'est tout, hein. C'est tic-tac. C'est tic-tac. Et ça va mettre fin. Donc, ni contre moi, ni Kangardaba, ni n'y a pas de faux là. Ne me fais pas de ne me fais pas inquiéter. On a un peu de temps, on a un peu de temps qui est très très sensible. Et quand on comme on a un commentaire, on a un partagé, on a un liké, on a un problème, ça c'est trop vague. Et la loi ne doit pas être vague. La loi ne doit pas être vague. Ça c'est très très important. Donc c'est important que, il y a un bon nom, il y a un bon nom. Donc, comme ça, on va voir quels sont Munkayala, Mumayala, sinon il y a un bras, on monte mon vie faneni, on monte mon vie baneni, il y a un baneni, il y a un gauche, bourriquelina, on a des investissements au Mali, hein, ça, c'est colossal. On a dit notre gala, on est appelé de diriger notre pays dans l'avenir. Donc, on a dit notre gala, parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'être des chroniqueurs. Et ça, c'est notre leadership. Ça, c'est notre procès d'aller au sommet. C'est comme Assimi, il a porté des uniformes pour devenir président. Nous, moi, je communique pour aller au sommet de mon pays. Donc, ça, il faut que, parce que ni sans couloukoulou, la baby boulou, couloukoulou, là. Donc, au Canada, ni, mrodo, bla, gouchi, brinkelina, et dobi, jokuno, dati, akante, masae, konbare, etala. Non, 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 non. Je suis un homme de droit, je ne suis pas anti-droit. Je veux seulement que, ou quoi, c'est le bon manangana, et d'anglobe moufo, 12e don, moumeke, on est mouteke, akabona, beyanga, befamia. Mais ne bolo et ne blague ni quoi analyser yoromina bi kanto ko yurugu kele bi nake ne bolo ça ce n'est que des excuses de la part de Kassongé et de notre administration mali zoumine li momé jamana kad na flo sué o mineli ni kotro mabo bain na fa fouita la yefum. Donc sinon le malien sont derrière toi mais kana fo kibe momo mega jamana supporter kibe no uluni momo mega dugu gauche dugu la majito boro kelena. Donc ala kana ni fene ko ke kumaye mais boni charanyé et aka ke fait seulement les nyoro ina me pe ko ambalma ke bonyang baba nyame kale mine la ku a interpellé. Donc me doke ala ka jika froy ala ka baba nyame mambla baba nyame ne do mso drauli terri ye famu. Et donc baba nyame c'était un petit frère et vraiment et madon et amboramu kalama la fois derrière aburaka et ambalma et somala kauka et tabia la gushi ne ko monte so okuma ye famu ya ala de qur'an aya jigi qur'an e konna la ye famu ko eni tabulo ni tabulo yakum din kun wal yadin eni tabulo ni tabulo ye famu beka tabia lido. Donc ne quelqu'un a dessiné comme Mali Islamé ou moi. Nous n'avons fait Islamé à et Mali Bekaké Islamé re. Aïe, akoko wodulu ke ganya bayi. Na wodulu ke ganya, aïe exemple roui. Na wodulu ke ganya ke exemple roui. Mo be ke Islamé re ou. Mais on sait que contrarié, on mo te on tala gushi, on me la katam mo tala gushi. Faut qu'on mo ka tabia la gushi. Depuis ala e dien dan beni trabolo de do. Mo be na américain kun klimpe de kamaya. Beni trabolo de do américain. Yefamu. Donc, bekmo ibo. Djiebe niveau mina, nous sommes en 2023. Matseka mousi diagou yatouni. Yka taka trabolo kerega. Yefamu ya. Saiba ou nana kumare la. Alay saiba ou chit kumare kama. Niyoro ni la nebe kangarada mouye. Parce que voro, alay akili de da ama. Anaseka corona ekwa. Aye, nebe toka wadjuluru. Nebe toka doudo ke. Nga kumawla ngo. Allahuma inni azuluka ilman nafiyan. Wa rizaka ntayiban. Wa amalan wa mutakabalan. Ngo alaka akili da ama. Akili ma anafa duyan an yomal kiyama. Parce que tu m'as dit, on met quelqu'un d'ok, tu m'as dit la famille al Baliari. Ni m'a dit, qui est Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam, qui est Rasoulou ka ko, tu m'as tassam bi, qui m'a dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, parce que Rasoulou be, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as voyagé, n'yoromène. Et bien, Malik, quand m'a dit, tu m'as 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 dit, tu et même moi, Rasoulou très bien dit. Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam, akoumé, n'y remède koumé yon. Donc, anga moblou bla, anga moto bla, anga nrosou bla, anga obé bla. Anga n'y remède ta, anga ta misiri la. Parce que oui, Rasoulou sallallahu alayhi wa sallam, takaboulou d'ordi yon. Nous, mambo, Rasoulou, il a la ka fom, gomou no kodon, kwa ya ka saya na ka bolo ke kato, soudengle ne konna la. Donc, ameke vila biliba mounou kono, on est itajiba mounou. Anga bo kono,
anga boso jo be fo rasul ya ke tomina rasul ku me finne sira chela anga fini sira chela donc anga rasul la digi wa rasul ta biya de fini ma mulo am si ko ke o munan to ke parce que lettre évolue ala nabi ma fe nabi fe chi jamana uma a be chi jamana ma atmana akwalo de konala rasul na ka livre de ama noy qur'ani kanga en refero kan ala klaka ayo bla qur'ani kono ko benitra ko mo mo mudje ko ke ko yumal kiyama ko beba sura lenye donc c'est très très important anga nyon tabia bunya c'est très très important anga nyon tabia bunya anga jamana be kelebo on dala tronima ambeka arabu munu la digita luka dinela arabu yere luka ko yure bo temange ko ko meke arabu ka dugula aya e dubai ko sayna fiemugu batira dubai ali mo tero ko fiem bororomna ayra le meka fo ko do mo bo ko ça va être même plus grave. Donc c'est très très important. Donc ne me doke alaka bomanyame mambonina et demsena de asro parce que nashien floy alaka ninga kanardaye wala sa akana ketuni sino slamere do vraiment aka abaka dine kelerike a et dusuri amene donc ay e dusu akanye akline donc amala deli alaka jibwa a akan ay mo munu e droit ne ba deli demsena ay fa bomanyame ma même mali sharaf ne deli aye sensidama ninga ke premier amergo ma fuma ko warning kangarda follow ninga ko ye wala sañu ko rekana ke vraiment e kasunga kan ni trabulo yi aka a frefetia moli koni kono mo munga bare banine ne la fonya ne dante ne wana sikit ne beto ne te tiktok yi rekan tiktok yi kanay mo rebe ne ka video black mais ibana ya laka ibe ko do yi nyala ibe ra ninga kuni ne fa jamana di niya ne muni muni kera avec tout ce combat que nous on a. Avec tous ces topics qu'on peut parler en te comment ici c'est là qu'on a que moi te barala na che mali sanu mega yurugu mali sanu mega bo wo fe katra du reka na che président bo reka loi kula bo san sanngola nous be de bo ramse ka kuma munka nga jamana la tanye mais mali ti dama ni chila donc kasunga ka ni kumai ala kana ke kuma mugubai mali zo minali ala kana ke kuma mugubai afro amina parce que c'est vrai là. Pour le moment, ame mouro mali zoom na lila, ame kuma mgubari don, ante kewale do ala. Donc, ala ka nyaka dama. A l'heure des infos pertinents, moi dante, je ne fais que mon analyse. Ambola Hermina, nebola na mebrao, Niger, la réunion des chefs de l'état-major de la CDAO, qui devait initialement se tenir samedi, le 12 août, à Accra, Ghana, avant d'être reportée sans délai, est finalement annoncé pour jeudi et vendredi 17-18, toujours à Accra, et disant des sources politiciens régionales. Donc, en voilà qu'on est sur, que c'est là où on a discours, où on a signé la forme, et le 8, et le 12. Donc, il y a cancellé nous, mais on va mourir, ou on va mourir. En voilà qu'on est sur, que c'est là où on a signé la forme, et on a Accra. Kumina siga foinke le 17, on est le 18. Kokana et wala saubina munke Niger kola. Donc amala deli, uku dado Nigeria fen la, komi uluka surasu sara, surasi mwani saba, ulu sara, uku dado ngache mwobeka munke Nigeria musula, frontieru la, uku dado la, vrema kwa Nigeria untoi, yefamu, ne pala nabaga amola Hermina, Niger, toujours en Niger, le premier ministre chef de gouvernement d'Union nationale, Sahel, Zeb Zabdo. Le chef de gouvernement de l'Union nationale, allez, Toko Salid et Zebzabo, Salid Zebzabo, allez, accueilli ce mardi, allez, Koumerabi, Yefamou, le 15 2023, à l'aéroport international Hassan Djamouz de Djamena. Donc, allez, Koumera Djamena, aéroport la Somadaina. Le premier ministre du Niger, son excellence Ali Mahaman Lamine Zene, Lamine Mohamed Zeneya Akoumbe, en visite de travail au Tchad, donc où nous avons les deux hommes d'État se sont entretenus pendant quelques minutes au salon d'honneur de l'aéroport avant que le convoi ne prenne la direction de la présidence de la République du Tchad. Donc, au Massami Alaye et Niger président Croix, à Tara et Niger ministre Croix, à Tara Tchad. À travers ce qu'il faut checker Tchad. Donc, à travers le Tchad, en Tchad, il faut que nous soyons au bas. Où est-ce qu'il faut que l'aéroport là, il y a nous qui a Tchad président, qui a tout voir. Donc, il y a là, le ministre va et vient bas en Kumbala. Kumbala, et moi, je vais faire mon analyse. Nous, où est l'aéroport là. Donc, où est-ce qu'il y a petit caca, le voleur là, le voleur de l'élection là, le bandit qui a assassiné son père.
parce que problème me tchad dans la 600 ou ka balo de beaucoup djoro balo ni ou ka et besoin médical ou ye fon orebe Niger dala do ou ta tchad parce que tchad ou frère ni yanu ka tchad fara keleka do ou betre ou sera troma yanu ka tchad fara ni kelenka donc amba di yaka fo ou bena kuma ka solution yini mbaro Guinée fene bena ou demain Mauritanie fene se kou demu ou ka dote ou la donc ou frontière dante benay Benet Dante, c'est-à-dire frontière Dante Benay quoi. Frontière Wero Ben, Mouté Benay, Yefom. Donc, Ame Ala Deli, et Yarabi Allah, et Ala Ka Solution Mankala. Comme y'a fait tout, mais c'est une contourne, Mou Bamba Nyame, Ndronine, et Ouya interpellé, mais Ala Deli, Ala Ka Nyambon, Nkouina, Demsenari Asoro, et Ningake Kalaya, Ambema, Moussigana Moussi Tabia, Doua Touni, Beki Djidjaï Tabiaka. On se la met au Wadulu Badine, bon, Ambulo Kake. Wajulu badi ne bambulu kake ni la bolo reka ibe mo munye fani ni bani na salama dem sonu le ka baradu donc on a trop de choses à faire les femmes donc ambola ermina ou ta et ministre tara chadi à travers visite de line visite de travail pour que ani chadi ministre et président me se ka sikakuma donc amadiya ka kuma amadiya a talme dumuni ni ni la oni furau kala ni chadi me se ka duni fondo ou fait parce que ni obora la fouite ka Niger joro. Il faut que parce que wajama donga balo de jorobula wajama donga tanyere jorobula c'est là où te Niger joro c'est Niger balo nga foko c'est là où te soula parce que ni makakira Niger la dron ni président bebo fangala et tous vont aller ayi non ça sert de tic tac avec comme ni kura fra il faut bien donc amola ermina et actualité la CDAO choquée de la poursuite de Bazoum pour haute trahison et le US joue avec la France dans les crises du Niger. Donc abadon a fo ko Bazoum et abena poursu haute transition et haute trahison. Donc ko quel insistant ko CDAO de Balbanino. Kunmane la Fatim Kourou cause et Bazoum mena su et haute trahison. Ko Bazoum ya ka jamana djanfa. Bazoum est terroriste. Tout le monde sait que Bazoum c'est un terroriste. J'ai la vidéo de Bazoum ici. Ou quelqu'un Bazoum yinga de dire d'où il vient. Mais c'était pitié. C'était pitoyable. Moi, je viens de Wolofobou, à côté du cinéma Babemba. Bazoum, il y avait trois papiers. Papier, ça va avec Mabolo. Hein? Papier, ça va pour dire d'où il vient. Alassane Dramane Ouattara, pareil. On a demandé à Alassane Ouattara d'où il vient. Il avait quatre papiers. Il mouvait comme ça. Moi, depuis là, je n'ai jamais vu quelqu'un d'avoir les notes pour dire d'où il vient. De par là, il dit dans Domina, ne va de l'écarama dingue. Quoi, Fatou Gourou, Fatou, d'où viens-tu? Ça, c'est quelque chose qui doit être tic-tac. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il a failli d'avoir tous les documents devant lui pour et même amener passeport diplomatique pour montrer que lui, il est ivoirien. Mais non. Quand tu es ivoirien, Alassane Ouattara, tu n'as pas à montrer votre passeport. Nul ne peut dire que Dante n'est pas malien. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait les États-Unis. Mais tout le monde sait que je suis malien. Et quand tu viens d'un pays, tu n'as pas à te justifier. Tu n'es pas ivoirien. Donc, Bazoum, il n'est pas de Niger. Donc, de ce fait, Bazoum, il a fait de hautes trahisons. Avec Jamana Djanfa. Non seulement il est venu au pouvoir en tricage, mais plus profondément, où il y a un téléphone ne bla, tout était sur l'écoute. Donc, à quoi la manipulation fait avec Alassane Ouattara et les autres dirigeants, et la France et les autres, tout était sur l'écoute. Donc, Bazoum va payer le prix, Alassane Ouattara va payer le prix, Macky Sall va payer le prix. Et ça va être le prix qui va être très cher. Adama Gelare, ah non, tu n'as qu'à dire que donc, de ce fait, la CDAO a fait la communiqué de la CDAO sur le Niger. La CDAO a pris avec stupéfaction la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, pour haute trahison. La CDAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Donc, CDAO,
ko vraiment ko e militaire ou kelenga ni mbu ou da kono kubitani bazoum nye boje nin kenekan kulume ni bla provocation minani konala ko donc ko komi oye provocation minani ko vraiment ko ni mina dialogue pacifique ko ni mina atogelea c'est à dire le rukme feni kuinga nuga tomina ni tina seka nuga otola chari il peut pas être de dialogue spécifique et pacifique comme ça. C'est-à-dire, si il faut me dire bien qu'on a là, on sait qu'on a là. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas à comprendre la CEDEAO. Comment vous pouvez affamer le pays le plus pauvre du monde et vous entendre d'autres solutions? C'est la CEDEAO qui veut vraiment assassiner Bazoum. C'est là où il veut faire Bazoum, frère. Parce que vous flinez, le cas de Bazoum est devenu plus grave. Hein. À ton regard, là, 6 ans. C'est devenu 1000 fois grave. Donc, CEDEAO, quoi? Ko ni me ka ko gelare ko militaire ou ka baratenier alu te gwele ko transition la CEDEAO croit que Bazoum est toujours le président de la République de Niger. CEDEAO man son abo dakono ko alu ma transition bouya takadi Niger gouvernement alors que Niger gouvernement et gouvernement croise ki uga ministre ou besi gaba. Donc l'air est grave. La CEDEAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation. Ko chanina ka mgo kani demarchi. Ko niye kiletike de. Ko nan do se nove Bazoum mine. Oye foloye. Flana ou fleka kilewere tike bema. Ko se n'est pas tolérable. Une nouvelle forme de provocation est contredit la volonté prêtée aux autorités militaires. Ko epi, ko nime contrari ira. Ouwe ka mou ira djamala. Ye fom. Ça contredit leur volonté qui sont en train de prêter aux autorités militaires de la République du Niger. Le rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Donc, Koulbe Mounini et Général Tchanina Kamoufé, le président de la République du Niger, de la transition, au cas l'ordre constitutionnel, nous sommes là, Bazoum qui est président. Donc, c'est là où on écoute. De ses poursuites à l'encontre de Mohamed Bazoum, l'Alliance Ouest-Africaine, qui rappelle que le chef de l'État est le président démocratiquement élu et qu'il doit être libéré, je cite, sans délai. Une situation qu'on suit de près, en tout cas du côté de Washington, où vous vous trouvez pour France 24, Mathieu Mabin. Les Américains s'inquiètent du sort qui sera réservé à Mohamed Bazoum. En tout cas, alors que les déclarations de la junte que l'on vient d'entendre devraient faire bondir à la Maison-Blanche et autour d'Anthony Blinken, la diplomatie américaine, au moment où nous parlons en tout cas, reste tout à fait fidèle à la posture qui est la sienne depuis le début de cette crise, c'est-à-dire qu'elle ne commente pas beaucoup, il faut bien le dire. Ce qui est clairement traduit un embarras. Sur le fond, les diplomaties américaines et françaises, pourtant, n'affichent pour le moment pas de divergence majeure, puisque les deux chancelleries appellent clairement à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Ça, c'est un fait établi. De la même manière, Paris et Washington appuient la communication de la CEDEAO jusqu'à officiellement soutenir un projet d'intervention militaire, comme on le sait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, cela ne doit pas nous dissuader de nous souvenir que les postures françaises et américaines en Afrique et même au Sahel divergent sur plusieurs points. Le narratif américain a toujours pris ses distances avec l'histoire de la France en Afrique, on le sait, en tout cas sur le plan diplomatique. La dernière fois que la Maison-Blanche s'est laissée embarquer dans un projet français, c'était en Libye en 2011, vous vous en souvenez, et vous vous souvenez également que Barack Obama, bien des années plus tard, avait reconnu que selon lui, c'était une erreur. Il ne faut pas s'attendre aujourd'hui. Donc voilà la France. La France veut que l'Amérique embarque avec eux dans leur mission de colonisation. La France veut que l'Amérique embarque avec eux dans leur mission de recolonisation. France veut faire Amérique fara ou Lucan, Katuka Djonya Bara la Touni ou Munga Frafuna. Vraiment, la France manque de l'histoire. Et je vais me profiter pour éduquer les Français. L'Amérique ne peut pas vous aider. Et je vais vous dire pourquoi. Amérique, c'est qu'à franchir demain, Diomarala. L'histoire des États-Unis est basée pour torturer le noir. Vous n'avez pas de même projet, procédure. Premier ministre des États-Unis est le noir. Ça, nul ne peut dénier ça. Elle est noire et elle est très fière d'être noire. Amérique, président, et ministre Mousseau, Frafinidou, Frafinia Kadaye,
abuka fraternité numbela atara frafi école là amason tali tobo école là. Kamala Harris, elle est fière d'être noire. Frafi mousso kulukutu de dos américaine noire à niveau là. Donc de ce fait, l'Amérique ne peut pas payer le prix. Barack Obama, il a regretté pour aller s'attaquer à Kadhafi. C'était de l'erreur. Et je vais te dire pourquoi il a même pu faire ça à Kadhafi. Et ça était raciste. Parce que Kadhafi, il ressemble à être un arabe. Ce que les Français n'arrivent pas à comprendre dans l'histoire des États-Unis, l'Amérique ne peut pas aller s'attaquer à un pays noir. L'Amérique peut créer des conflits en clan d'eau et pour avoir leur main propre. Mais le moment donc que l'Amérique va s'attaquer à un pays noir devant le monde, il y aura des guerres civiles aux États-Unis. C'est ce que la France n'arrive pas à comprendre. Les Noirs des États-Unis ne sont pas comme des Noirs de la France. Hein. Les Noirs américains ne sont pas amoureux d'être américains. Hein. Ils sont amoureux d'être américains noirs. Les Noirs de la France, ils sont amoureux d'être acceptés et pour devenir des Blancs de la France. C'est la vérité. J'ai beaucoup de familles en France. Il y a deux différents aspects ici. Donc l'Amérique ne peut pas s'afficher pour aller déstabiliser un pays noir. Elle peut faire, mais elle ne va pas s'afficher. Jamais de la vie. Donc ça, c'est le premier élément. Voilà pourquoi la France ne peut pas embarguer avec vous. Et l'Amérique ne peut pas embarguer avec vous. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. L'Amérique connaît la valeur des Noirs aux États-Unis. L'Amérique, la valeur des Noirs, c'est des valeurs économiques. C'est des valeurs économiques. Et la France n'est pas aussi valeureuse quand ça vient des États-Unis. Donc, l'Amérique ne va jamais aller s'afficher pour aller combattre un pays noir comme la France a l'habitude de faire d'ailleurs. Du moment donc que cela va se passer, moi et mes enfants et les autres Américains noirs qui sont ici, et tous vont se lever pour défendre leur continent, ce qui est de l'Afrique. Donc, les choses ne sont pas pareilles. Les Français, c'est des racistes. Les Français, c'est des colonisateurs. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'était français. La France n'a pas de moyens de prendre soin d'elle-même. L'Amérique a des moyens. La France n'a pas de moyens. Donc, de ce fait, la seule raison que la France veut embarquer à la guerre dans le continent, dans notre sous-région, c'est pour leurs besoins financiers. Et l'Amérique n'a pas ce problème. Tout ce que l'Amérique veut avec les Africains, c'est de se présenter géopolitiquement pour l'avenir mondial. Et pour la France, c'est du vol. Parce que la France, c'est des voleurs. Pour la France, c'est un pays soumis qui n'a pas de moyens pour prendre soin de leur population. Donc, l'Amérique, c'est qu'à haut demain, à quoi il faut bien, il faut bien rouler. Mes chers compatriotes, ça va pas en France. France, il veut Erim Nabi, Ali Moro, t'es qu'à ce qu'à terrain t'as. Terrain. Qu'à terrain t'as drôle. La France n'arrive pas à prendre du terrain. Quand pour que t'as barreau là, à cet émoi. Fouille tout boulot. Il faut. Fouille tout boulot. Moro, mais terrain, garde la France. Il faut. Moro, mais terrain, garde la France. Ou tu as fait un temps parce que la France n'a plus d'économie. Allez. Voilà, bon, au donjon, comment il faut qu'il y ait un appel à Jelen à Kafro, Jamana, il n'y a pas de bon, à Taloufleni. Taloufleni, on y a un peu de matin, on a filmé qu'il y a un peu, Jamana, il n'y a pas de pour nous tenir ici. Voilà. On y a un peu de matin, bon, on a un terrain, il y a un peu de placité sur la qu'on a fallu, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On y avait Hada Madame Bonena. Il m'en a comme un faux Francis John et Jugo Savon. Nous avons fait un grand doigt à Saint-Cro. Bissi Bola ou l'outé demande d'augmentation. Que demande d'augmentation au Toka Faropa Saraka. Il m'a son gâteau Faropa Saraka. Mourobeka Bam Bissi Bola. Mourobeka Bissi Bola. Donc on est Francis. Donc Francis, guerre qu'on est Francis là.
La France n'a pas les moyens de prendre soin de sa population. Donc, les Américains ont un problème tout oui. Pour les Américains, c'est basé sur leurs jeux politiques et leurs jeux stratégiques. Donc, pourquoi la Yenou te clé bi, pourquoi la Yenou te clé chini? Pourquoi la Yenou te clé bi, pourquoi la Yenou te clé chini, pourquoi la Yenou te clé? Donc, l'Amérique est fâchée parce que l'Amérique veut faire, Francis Ka Farao Loukan, ou quoi tra, Afrique mène tout ni, ka Afrique y doit mener. Yafoum, et Francis veut faire, Amérique Ka Farao Loukan, ou quoi tra, et Frafina doit mener, il n'en faut comme si ils ont l'habitude de faire. Au Sekake. Ça va pas se passer. En Aboué, en Andalou, nouvelle ouverte là. Plus de 3000 personnes ont évacué lundi 4 campings et 2 lotissements des Pinerets orientales dans la sud de la France. En raison d'un violent incendie, les pompiers sont mobilisés pour protéger des flammes les villages de Saint-Nabre, Sorédé, de la ville d'Argelé. Donc, les Français d'Argelé, donc, à la toque à Massala, que plus de 3000 personnes ont évacué. Sari, Armadien, 3000 personnes auraient évacué la cabot Francisca Djamana Konala. Ou quoi, y'aura un petit coup d'Algérie, Tasma de Wula Dougou Konala. A fora Franciana, comment fouille à la folo? Comment fouille à la folo? Nga tchè, n'ingala lundi doni. Et moi, on est là, bite mardi, kounou se gougou ma douaoudou. Nga tchè, mungala kounou. Ka ou tout douaoudou en rela nga tchè, Tasma men la France. Ka se gougou tout douaoudou en rela folo, Tasma qui se blène ou la France. 3000 personnes ont été évacuées. 4 campings et 2 lotissements. Ou quoi, campagne nani, ou regina, ou ni lotissement fla. Ou quoi, puisqu'on a l'ordre là. Là, il faut que Saint-André et Sorédé et de la ville de l'Argelé. Donc, on est à la cabara de Francis, fouille à la folo. Ça va être plus grave que tout ça là. Donc, on me commande à Hermina, c'est l'ingat, c'est là où tu as tout le monde. Parce que vraiment, et mon kera bazoumna, c'est là où tu as droit à me faire faire. Ne pas la même bravo. Faka donc à fori, qu'au français, en trop à ce niveau mima, avec les aides de ses appropriés présidents, c'est de la honte. Aïe français, président Korok Makaname, Jacques Chirac, et quand il parlait, comment dirais-je, de café de la Côte d'Ivoire, et le prix, abana donc à Foko, Alassane ne peut pas être ivoirien. Écoutez. Donnez un petit exemple. Savez-vous que 1 kilo de café, 1 kilo de café produit en Côte d'Ivoire, avec ce kilo de café, on fait en gros 50 tasses de café. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, suppose le matin, comme tout le monde. Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas? Vous le prenez, il vous coûte, disons, 5 francs si vous allez dans un café un peu sophistiqué. Mm-hmm. Bon. Mais c'est un prix moyen de la tasse de café à Paris. Combien revient au prix? Ça veut dire 250 francs. Oui. 250 francs pour 1 kilo de café. Oui. Savez-vous combien on paye ce kilo de café aux producteurs africains? 5 francs. 5 francs. On lui paye le prix d'une tasse de café alors qu'on en fait 50. Alors vous me direz, il faut le transporter. Donc, on est bon là, mes bravo. Voilà un peu de calcul. Mais calcul de Kairaoula, les mathématiques de. Donc, en prison, où est-ce que les mêmes ne allez, du coup, tout est bi, faux bi. Francis, ou bien la cacao sans Abidjan, 1 kilo de cacao coûte à 5 francs. Francis, nous, nous avons cacao cloclé sans Abidjan. Abébé Francis, 5 francs, n'est-ce pas? Francs, drôme, dourou. Ou bien la cacao cloclé sans Oula, Abidjan. Nous tarnaï Abidjan kilo kelin ou ben café bidrou de ma café nya bidrou au café nya bidrou café nya kilo kelin ver kilo kelin français vous offrir 5 francs ambe bon nous la trou de main. Donc voilà la réalité. Donc ou ben ni connu que trou de main ou ben présent de takoubla en kuna mou nous te jamana douni yefom. Donc cela m'amène maintenant à l'histoire de Alassane Dramane Ouattara.
Donc, je vais oublier Alassane. Je ne vais jamais oublier Alassane. Alassane Bonga Villa, il faut dominer la mine à Bofangala, Inch'Allah. Alassane va être toujours mon topic. Donc, comment on les amène? On les crée. Nene a fo aw ñana mo français beka Alassane Dramane Ouattara glan depuis abe école là abe doula depuis que Alassane il est dans les universités, la France est en train de fabriquer Alassane Ouattara depuis abe université là. Donc Alassane c'est un homme fabriqué. Alassane me comme un robot. Alassane Ouattara il est comme un robot. Je vais vous montrer l'histoire de Alassane Dramane Ouattara, comment il est arrivé au pouvoir et comment on lui a rendu un Ivoirien qui n'est pas. Je vais vous faire écouter tout. Bon, pour qu'il y ait un fort, qu'il est capable de faire tout. Tout. Il y a, parce qu'il y a un rôle, les gens oublient ce qu'il a fait en 2011. Tu vois, non? Les gens oublient. Parce que Farafi Fleni, Ame Todou, Ame Bachidou, c'est qu'il y a un Nabela. C'est qu'il y a Katani Fleni, Ame Jumon Fini Akileka. Donc, on a l'habitude d'oublier. Donc, je vais vous amener à l'histoire. Yefom. Je vais vous amener à l'histoire. C'est-à-dire, les jaloux de la Côte d'Ivoire vont maigrir cette fois-ci, d'après les Ivoiriens. Les jaloux vont maigrir. Hein. C'est-à-dire, ces jeunes Ivoiriens-là, ils sont fans de Dante, quoi. Donc, il faut écouter l'histoire de ce bandit et comment il a assassiné les Ivoiriens et comment il est venu au pouvoir. Depuis trois semaines, nous sommes en avril 2011. Depuis trois semaines, la ville est transformée. Nous sommes en avril 2011. Depuis trois semaines, la ville est transformée en champ de bataille. Les Golfe de 6 de Golfe Autorité parlait. Dans la voiture blindée d'un lieutenant-colonel de gendarmerie, nous découvrons l'ampleur du chaos. Là, vous voyez l'état des rues, je ne vous mentais pas. Tous les magasins qui bordent cet axe majeur, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ont été... Donc, oh. Ça, c'est l'histoire de Alassane Ouattara. Nous sommes en avril 2011. Depuis trois semaines, la ville est transformée en champ de bataille. Les Golfe de 6 de Golfe Autorité parlait. Dans la voiture blindée d'un lieutenant-colonel de gendarmerie, nous découvrons l'ampleur du chaos. Là, vous voyez l'état des rues, je ne vous mentais pas. Tous les magasins qui bordent cet axe majeur, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, ont été totalement dévastés. La situation a vraiment dégénéré depuis 10 jours. Hein. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de destructions. Dans un camp comme dans l'autre, on pratique ici une abomination qui consiste à enrouler un certain nombre de pneus autour d'un individu, à déverser quelques litres d'essence dessus et puis à y mettre le feu. L'ambassade de France est ici, vous voyez le drapeau français là-bas sur le toit. Vous voyez les postes de combat qui sont aménagés sur le toit du bâtiment avec un militaire. La France est une cible, là. Oui, complètement, bien sûr. La France est une cible parce que bon, elle a quand même très clairement pris fait et cause pour le président élu, le président Ouattara. Ce qui, vu du camp Gbagbo, constitue forcément une atteinte à sa souveraineté. Donc, on est devenu très clairement une cible. Un président battu aux élections qui ne veut pas quitter le pouvoir. Un président élu qui veut s'en emparer par la force. Après des semaines de combat, le président sortant, Laurent Gbagbo, ne veut toujours pas reconnaître sa défaite. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Il faut que nous montrons qu'un président nous appartient. Et nous avons une seule chose à faire, c'est de gagner. Son adversaire, le président élu Alassane Ouattara, n'a pas d'autre choix que de le chasser par la force. Sur le terrain, ses partisans sont en passe de remporter la bataille. Les Ivoiriens m'ont choisi à plus de 54%. Je suis le président de la République et il faut qu'il arrête. Ça devient ridicule. La France a choisi son camp. Elle soutient Alassane Ouattara. En représailles, elle est devenue la cible des partisans du président déchu. Et pour ne rien arranger, la résidence de l'ambassadeur de France, en haut de l'image, se trouve juste à côté du bunker où sont retranchés Laurent Gbagbo et ses partisans.
Cette nuit-là, les affrontements redoublent d'intensité. Les deux camps s'affrontent jusque sous les fenêtres de l'ambassadeur de France. Il est tapé sur la route, là. Tire à l'extérieur, a mis le feu aux arbres. A mis le feu aux arbres. Donc, vraiment, ça fait pitié. Mais c'était pour vous faire rappeler de la personne. Il faut pas qu'il y ait un cafoco, ni mon crémier. Et Côte d'Ivoire. Ou de Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a fait ça en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'il est devenu président de la Côte d'Ivoire. À quel président est-il en Abidjan? Donc, mais quand il est là, il faut pas que, pour une seule fois, à quelqu'un au Niger, que ce monsieur n'est pas capable de faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est très très important. C'est ça mon point ici. À quelqu'un au Kono, il ne faut pas que le Niger oublie qui est la personne. Quelles sont ses caractéristiques? C'est ça, Alassane Ouattara. Donc, il sera toujours prêt à faire la même chose s'il doit le répéter. C'est pour cela, d'ailleurs, il veut qu'on attaque le Niger. Donc, à Kanamoro, Kanayina, l'histoire ne ment à personne. C'est ça sa personne. C'est ça sa personne. Donc, c'est très très important à Krito là. Donc, Niger, on fait un bora Kama. Je crois que les jeunes Nigériens sont sortis dans la rue. C'est le seul continent où... Nigérian Bora Kama, Yefamu, Kakangardaye, les jeunes Nigériens sont sortis dans la rue pour vraiment l'avertisser ce matin. Nous vidéo fait sur Somadaina. A Kunkanye Kojue, Ninsarakaye, ou Lou Buraka Kangardaye, ou Kadonga Fo, Kona Kokabe Aymunke Abidjan, Nakukaboke Niger, Atan Yonreke Touni Fouatasa. Donc les jeunes Nigériens sont en train de lui avertir. Voilà, nous sommes venus à la grande mosquée. Je veux juste un peu vous montrer le monde qu'il y a ici. Vous voyez? Regardez. En fait, je voulais profiter pour passer un message à Alassane Ouattara, le président ivoirien. En fait, il faut qu'il comprenne quelque chose. Nous, on a Dieu avec nous. Leur démocratie satanique qui transforme des leaders en PD, nous on n'est pas dedans. On est un peuple souverain. Donc on veut notre liberté. Je pense que Ouattara doit comprendre ça. Ouattara, tu ne peux pas nous attaquer. Tu ne peux pas nous attaquer, Ouattara. Donc les choses sont simples. Toi, on t'a déjà vu, on a vu de quoi tu es capable. Toi qui as envoyé des mercenaires chez tes voisins, tes frères. Mais tu n'as aucune crédibilité, Ouattara. Le peuple ivoirien, ce message-là, je m'adresse à vous. Vous êtes un peuple qui aime parler. Aujourd'hui, il faut parler. Il faut aller dire la vérité à votre président. Si lui ne veut pas de la souveraineté, nous, on est là. On est là pour notre liberté. Regardez. Vous voyez, regardez. On est à la grande mosquée. Regardez. Il y a la jeunesse qui est là. Il y a la jeunesse qui est là. On parle de... Non, la CDAO, on s'en fout. La CDAO, elle est où quand on tue nos frères? Elle est où? Elle était où la CDAO quand on tue nos frères? Regardez le monde. Regardez. Vous voyez un peu. Le Niger est uni. Il est uni plus que jamais. Et le Nigérien veut sa liberté. Voilà, monsieur Ouattara, ton petit jeu là, ça va pas marcher chez nous. Voilà. Garde tes militaires. Voilà. Voilà le Niger Kumakane Niyama. Donc, Niger on boira kakangardaye. Yefomu, kakangarblendaye. Donc, voilà ce monsieur, avec fait qu'il dade au Beka Kobela. Avec fait qu'il Beka Djamana Tchien. Alors qu'il n'est même pas, ivoirien. Mes chers compatriotes, Alassane Dramane Ouattara doit être combattre devant le monde. Aya, le premier élément, Nya Iraoula, comment il est devenu président. Je vais vous montrer comment il est devenu président.
à nana fanga la djelé là. En 2011, il est venu au pouvoir par le sang, en tirant sur les Ivoiriens. Il n'est même pas Ivoirien. Pour la première fois dans ma vie, ne ka mo yi djien ko non. Avec la histoire kalam papier kan. A yin nga ka bora dougou djmane la. Il ne peut même pas dire d'où il vient sans lire les papiers. Alassane ne peut pas dire d'où il vient sans lire des papiers. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un lire sa propre histoire. Même ma grand-mère, qui n'a pas été à l'école, nous rencontrait notre histoire pendant pratiquement une heure de temps, non-stop. C'est-à-dire, Alassane n'a viré le bénébolo. Boulot. Ivoirien, on n'est pas un caca à bord au fond, quoi. Alassane veut-il donner un papier pour dire aux Ivoiriens d'où il vient. Ce monsieur, c'est un assassin. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il n'a jamais dit la vérité. Comme Laurent Gbagbo a dit, Alassane, c'est un menteur. Il dit que quand son père était chef à Sindou, les frontières n'étaient pas encore tracé, et il dit que son père est ivoirien. À quel moment a-t-il devenu ivoirien? Puisque même après l'État, toujours le chef à Sindou, il n'a aucun village en Côte d'Ivoire où il vit le reste de ses parents. Attendez, ne nous foutez pas de nos gueules. Alassane n'est pas un ivoirien. Donc Alassane ne peut pas être un Ivoirien. Alassane Tarade, Alassane Burkina Bédéye, en 1962, Haute Volta est déjà indépendant, tout comme la Côte d'Ivoire. Mais j'entends Alassane Ouattara dire que les bourses étaient offertes au territoire attaché, ce que je ne comprends pas. Ouattara n'est pas seulement un Ivoirien. C'est très simple que cela. Donc Alassane Irek Makaname, comment Alassane essaie de justifier d'où il vient? C'est un menteur. Et je vais vous prouver que ce monsieur, c'est un menteur. C'est un homme désespoir dans l'histoire de l'humanité. Et on va le déshabiller, Inch'Allah. Et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite, j'ai suivi mon père à Saint-Doux. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la Haute Volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire les personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Voilà. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Oufouette Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCAO
poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Oufouette avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara eut accédé au pouvoir à Haute Volta, il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigné, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il n'a pas de maison. Il était heureux. C'était nomade. De cela. Et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Voilà ce monsieur. Il n'est pas ivoirien. C'est un homme de voltaïque. Même les c'est-à-dire Ali Burkinabé au fait affaire, c'est un ivoirien. La seule justification de Alassane Ouattara de devenir ivoirien, c'est avec le passeport diplomatique que Oufouet Boigné lui a donné. Vraiment, moi, je suis désolé pour les ivoiriens. Non, il fallait que je vous montre ça parce qu'il faut gagner là pour qu'il regarde fort que de quel genre de personne il est. Il a passé toute sa vie en mentant. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, c'est en mentant. C'était un manipulaire. Alassane Ouattara, c'était un philomane. Alassane est philomané. C'est ce genre comme Alassane Ouattara que Kassongé dit qu'il ne veut pas le manipulaire dans le réseau du Mali. Si Alassane était au Mali, il allait aller en prison. C'est un philomane. Le monde donc avec passeport Boko Haram, ça c'est des philosophies. C'est l'art de la sacalagie. C'est un bandit. Il n'est pas ivoirien. Jamais dans ma vie, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui prend des listes et des feuilles et des notes pour rencontrer son parcours, d'où il vient et qui il est. Jamais. Ne m'a délégué à moi, je ne sais pas, 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 na cheni ko ko asimi ko itabe boro dume wa do malila fola be foko bo ka to dara chemi na wa to man to uta boro re fi folo re asimi re to dara chemi na wa dam ne folo de anga dugula au mali la quand on demande où quelqu'un vient là on ne parle même pas d'où tu viens d'abord on parle qui tu as été nommé derrière d'abord pour montrer que tu es malien on parle de ton homonyme d'abord quand il a été né là. Son père lui a nommé et derrière cette personne. Et cette personne-là, il était comme ci, comme ça. Et c'est maintenant, même on vient maintenant dans votre village. Et dans votre village, on vient dans votre quartier. Et là, on t'amène l'outil. C'est-à-dire, on peut pas rencontrer son histoire ainsi. Donc Alassane, c'est un bandit. Il faut que les Africains fassent très attention à ce monsieur. Pendant toute sa vie, il a fait du banditisme. Donc, quand les Blancs ont choisi Alassane Ouattara, c'est fait depuis quand il était dans les universités.
Il a été préparé pour ce qui se passe aujourd'hui en 2023. Il n'y a rien qui est surprise ici. C'est un homme fabriqué dans les laboratoires de blancs comme Macky Sall. Tu sais, Macky Sall, il est pareil. Hein? Macky Sall, lui, il est inutile. Macky Sall, Bouka Kafria, Toimbela. Tous ces manipulations sataniques-là, c'est ce que Macky Sall... Macky Sall, il est là, téléphone et caméra-là. Macky Sall a dit que et Sénégal et la France ont des relations cibles très spéciales. Il dit, au moment des tirailleurs sénégalais, les Français laissaient les Sénégalais tirer sur les autres Africains pour que les Français puissent dormir la nuit. Donc, de ce fait que la France et le Sénégal, ils ont des relations très spéciales. C'est dans la bouche de Macky Sall. Il a dit ça il n'y a même pas longtemps. Et Macky Sall, quand il faisait ses études en France, là, d'après sa femme même, elle-même a dit que Macky Sall, c'était un homme minutieux. Il passait tout son temps, il sortait dans la nuit, il venait très tardivement, parce que c'était un homme satanique. Donc, quand Alassane dit que Macky Sall, c'est son jeune frère là, il n'a pas menti, c'est son jeune frère. C'est des oiseaux de même plumage. Et nous, les Africains, nous, les futurs leaders du Mali et les futurs leaders panafricains, on va mettre fin à tout ça. Si un jeune Africain croit que qui va devenir comme un Alassane dans notre génération, il y a les fera. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc voilà un homme vendu. Et voici également ce pasteur. Donc, maintenant... Alassane Bandia il est là ou là, donc je vais vous amener encore à Alassane et après je vais vous donner Bazoum. Maintenant Bazoum fait là, car il a l'ordre à Foko Nute Mouyanama, oui, il faut que vous fassiez un surjon chili, avec le dos qu'on a Kounyanama et Kounyanama Badi, parce que moi, il me kelemina, ni ne kelemina Kouny, toi vous tenez à ce que vous en canouire, toi vous c'est que vous en canouire, il faut pas qu'il y ait rien de sous-estimé, moi j'ai sous-estimé Abidjan, Alassane Mina Doumina Abidjan, ne Koumé Abidjan. Les Ivoiriens ont sous-estimé Alassane Ouattara, c'est fait devant mes yeux. Et il a brûlé à Abidjan. Donc quand Ambolo Kamena a sous-estimé Touni, ce qui se passe au Niger là, il ne faut pas lui sous-estimer. Il faut faire tout sauf de lui sous-estimer. Il ne faut pas le faire. Alors au Mali là, quand il a amené ses mercenaires là au Mali, on dit qu'il ne va plus faire. Nul ne savait que Alassane va déclarer la guerre contre le Niger après le Mali. Nul. C'est un monsieur, il ne va jamais changer. Donc, il faut faire tout au lieu de lui sous-estimer. Parce que c'est un homme fabriqué. Il n'est pas le typico africain. Anante Kelingi. Anante Kelingi. Ala Benadi. Donc, Aïebo sous-estimé là, c'est un menteur. Un menteur. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Je suis Alassane Draman Ouattara. Je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis-moi, nous sommes vraiment puissants. Hein. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui, ben, il y a des juges qui disent ben, finalement le dossier est difficile à prouver? Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo. Je le connaissais pratiquement pas. Je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Moreno Ocampo. Ahmed Bakayoko. Mon fils Ahmed Bakayoko. I'm back.
I'm back. Oui. Vous ne savez pas, vous le savez peut-être pas, Ahmed a été le premier prisonnier politique de ce pays. A été le premier prisonnier politique de ce pays. Qui t'a dit Ouattara ne respecte pas sa parole? Là, toute la Côte d'Ivoire le sait, comme le président Laurent Gbagbo a dit. Le président Laurent Gbagbo a dit. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Oui. Mais Ouattara qui dit que Ahmed Bakayoko est le premier prisonnier politique ivoirien. Ouattara qui dit qu'il n'a jamais rencontré Ocampo. Eh bien, là, vous voyez. Donc Ouattara, sincèrement, il a un problème avec la vérité. Nous les avons vus ensemble. Ah ben, les images Les images sont pas. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Attends, vous êtes venu pourquoi? Non, vous dites la vérité. Non, vous soyez. Vous avez dû remarquer depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment. Nous avons des manifestations des victimes à Abidjan contre. La libération ou le retour donc de Laurent Gbagbo. Depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, nous avons des manifestations contre la libération ou le retour donc de Laurent Gbagbo. Hein? Depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, nous avons des manifestations contre la libération ou le retour donc, de Laurent Gbagbo. Toutes les semaines quasiment, nous avons des manifestations contre la libération ou le retour donc, de Laurent Gbagbo. Hein? Monsieur le Président de la République, la CISLT recommande à l'État la libération des prisonniers politiques, le dégel de leurs avoirs et le retour des exilés, comme l'ont proposé tout récemment les membres du corps préfectoral, vos représentants dans les différentes régions. La question des prisonniers, j'ai déjà parlé de cette affaire, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Dis-toi, il ment. Oui, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eyivé Babo, Monsieur Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman Kamarate, dit Soul to Soul. Visiblement, cet homme est épuisé. Il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, messieurs, prenez-le. On a écouté le discours du président de la République. Deuxième élément, il dit, je tiens toutes mes promesses. Ça, c'est vrai. Il tient ses promesses souvent, mais pas dans ce sens-là. Il a tenu sa promesse quand il avait promis frapper le régime de Bédié, quand il avait promis frapper le régime de Gbagbo, il a tenu. Vous dites, oh, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oh, monsieur le président de la République.
Il n'y a pas de prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Mais monsieur le président de la République, Simone Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, Asso Adou, et puis même en laissant tomber tout ça, votre propre collaborateur Soul to Soul, il n'est pas prisonnier politique. Il a fait quoi? Des armes qu'il a gardées pour vous, et puis comme on les découvre, vous le mettez en prison et vous voulez qu'on accepte qu'il ne soit pas prisonnier politique? Mais non. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et est-ce que de facto... Donc Alassane, c'est un menteur. Je peux vous montrer les preuves et les preuves jusqu'à demain. Mais ça, c'est suffisant. Moi, je suis un homme de preuves. Kassangé dit de ne pas mentir sur quelqu'un. Donc, il ne faut pas que Frafium, Alassane Messa Aoulan est là, parce qu'il vous le prend, avec Frafia de Kéka Koumbe, il va tomber à Kéledi. La manière dont moi je suis en train de lui battre là, c'est ce qu'il comprend. Il faut lui gifler. Parce que tombe Kéletane, il faut lui montrer sa propre personne. On appelle ça technique de miroir. Ne veut qu'à la scène qu'elle il va aérer, il là. À il faut qu'il sache que tout le monde sait qu'il ne vaut rien. C'est un nul. J'ai entendu un Ivoirien dire que toi, tu vas jamais devenir comme Ado. Mon frère, toi, tu me connais très mal. Moi, j'ai déjà dépassé Ado. Toi, tu m'écoutes. Je ne suis même pas président d'abord. Tu vois, non? Je sais pas, je peux pas devenir comme Ado. Je vais jamais devenir comme Ado. Je suis un Malien digne de son nom et fier. Moi, mes mots veulent dire tout pour moi. Ce que j'ai dit là, mes promesses, c'est tout ce que j'ai comme valeur. Alassane n'est pas un homme d'État. Il n'est pas ivoirien. C'est un menteur. C'est un assassin. C'est un homme préparé. Alassane, il est tout ce que l'être peut imaginer. Il fait tout pour avoir l'argent. Voilà ce qu'il est. C'est un homme qui n'a pas de valeur. Et si tu veux y résister, il faut voir son histoire. Pendant toute sa vie, en défendant d'où il vient, nul ne discute de son identité. Nul ne monte. Il a passé toute sa vie jusqu'à aujourd'hui en défendant d'où il vient. Alassane n'est pas un homme intègre. Un homme intègre ne va jamais amener une femme blanche après l'histoire de la Côte d'Ivoire et mettre cette derrière comme première dame de son pays. Je m'emballe comment tu aimes cette personne. C'est pour cela que j'ai un peu de problème contre Doumbia. Je ne peux pas respecter quelqu'un d'amener une femme blanche et devenir la première dame dans un pays noir. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est moral. Ce n'est pas d'être l'exemplaire, un président de la République. C'est un exemplaire de l'État. C'est pour ça qu'on dit chef de l'État. Il faut montrer l'exemplarité. C'est pour cela que tonton Chougal porte de gros boubous. Il représente le Mali. C'est pour cela qu'un Assimi voyageait là, à Ebazen Douakana. Ça, c'est les traditions. Ça, il faut montrer l'image de ton pays. Donc, Alassane, il n'est pas ivoirien. C'est un Français. Il a été préparé par la France. C'est un espion français à la tête de la Côte d'Ivoire. Ne crois pas, me dit, il faut regarder sa femme. Regarde comment il a rencontré sa femme. La femme de Alassane Ouattara. Elle était la copine de mes tontons. Moi, je connais, si tu me pousses là, moi, je vais t'amener des valises de Alassane Ouattara. Il ne faut même pas me pousser. Il ne faut même pas me pousser. Moi, je connais Alassane plus que ce que toi, tu penses. Donc, Alassane, c'est un bandit. Je mérite que la population africaine comprenne ça. Et de lui prendre avec sa valeur. Il est prêt à faire tout. Parce que c'est un homme qui n'a pas de morale. C'est un homme qui n'a pas de morale. C'est pour cela que les Blancs lui ont bien choisi. Donc, ça c'était Alassane Ouattara. Donc, Alassane Toté, je crois que nous, Boratoundrombou, Datoundrombou, Tchoukono. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer aussi que Bazoum aussi, il n'est pas de Niger. Alassane, 1962, Haute Volta était déjà indépendant. Donc, tu n'as pas amené votre passeport diplomatique. Il faut amener votre acte de naissance, pas votre passeport diplomatique. Now, okay, Alassane Ouattara. Donc, maintenant, Bazoum fait ça. Vous allez voir la similarité entre les deux hommes. Hein?
Bazoum sigle ne beke anaka papio Bazoum il est assis avec ses documents ngatie livre de Bazoum bolo tie avec Adale quoi il est en train de dire d'où il a été né d'où il vient d'où il va aller comment il a été né comment passeport est venu comment il a eu son acte de naissance écoutez Bazoum vraiment ça fait pitié hein? Non vraiment Afrique l'Afrique est très bon ouh Afrique est doux ma gars, allez, Bazoum, fais la main. Non, mais... de mes pièces d'état civil. Moi, je suis né en 1960 à Bilabrine, dans ce qui est moi, l'état de mes pièces d'état civil. Moi, je suis né en 1960 à Bilabrine, dans ce qui est aujourd'hui le département d'Ongourti, qui naguère était intégré dans le département de Ningimi. Mais je me suis retrouvé en 1966 à Tesker, où j'ai été inscrit à l'école nomade de Tesker. Et en 1967, plus précisément, le 26 juin 1967, mes parents ont pu me faire délivrer un certificat de notoriété tenant lieu d'acte de naissance au tribunal de première instance de Niamey. C'est le certificat de notoriété numéro 118, délivré par le juge du tribunal Issa Yassambou Meiga et le greffier Hamidou Cissé. Sur ce certificat de notoriété, il était mentionné nationalité nigérienne. Un certificat de notoriété, comme son nom l'indique, tient lieu d'acte de naissance. Mais il peut être délivré par un juge à l'issue d'un jugement pour une personne sans que le juge soit du ressort de la zone géographique où est née la personne. Moi, étant né dans le département de Ningimi, c'est un juge de Niamey qui me l'a délivré. C'est un document authentique, c'est un document que j'ai eu dans mon dossier scolaire. Et c'est sûr. Donc, Bazoum, c'est un rebelle. Bazoum ne peut même pas dire d'où il vient. Bazoum, c'est qu'à fort à Bora Dougoumina. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Et moi, je suis là. 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 Voilà des gens qui sont en train de diriger notre continent. Hein? Les gens qui falsifient des documents. Jusqu'au point où il devient président et des ministres. Des hommes incompétents sont en train de diriger notre continent. Nous avons un mandat d'Afrique à venir là. Mon est bien fara. Mon est bien fara. Mon est bien fara. Bazoum n'est pas de Niger. Bazoum, il est né en 1960. En 1960, Bazoum n'avait pas de l'acte de naissance. Ah, faut venir comme Mathéo, mais là, la gala, mais moi, t'es donné qu'un peu saboré. Kassongé nous a dit de ne pas mentir. On peut pas mentir sur les réseaux sociaux maliens. Il faut dire la vérité. Gwagwe. Bazoum, il est né en 1960, d'après Bazoum. À Wolola, Samba Kelen, Kemé Konoton, Ani Biworo, Ani Fou. Ani woro ani fou. Samba kelen bi konoton ani bi woro. Mais Bazoum me wolo domina. Wolo semen kunta la. Bazoum kunte wolo semen kunte Bazoum na. Wolo semen a été perdu. En 1966. Samba kelen keme konoton bi woro ani woro. Bazoum ya fo adala ko il se s'est retrouvé. A ere soro ro do la. Bazoum, il s'est retrouvé avec son père quelque part. En 1967, il était avec ses parents. Et c'est là, maintenant, il s'est retrouvé avec avec un certificat de notoriété. Bazoum n'a pas de acte de naissance. Ou le cementable, le certificat de Bablo. Bazoum n'a pas de certificat. Alassane Ouattara n'a que des passeports diplomatiques.
Moi, je suis malien. Je suis né à Wolofobougou. Et quelqu'un de Wolofobougou dit que Dante, toi, tu viens d'où de Wolofobougou? Où de Wolofobougou? Tu ne viens pas de Wolofobougou. Tu n'es pas de commune 3. Comment tu dis que tu viens de Wolofobougou? J'ai dit non. Je me suis retrouvé à Wolofobougou en partant à Dikoroni. J'ai fait de l'escale à Amdalaye. Voilà comment. Voilà des chefs de l'État, mes chers. Est-ce qu'il y a une co-ingravité, donc? Quand on vous parle de des hommes incapables, c'est la vraie définition. C'est des bandits. Ne ko homme ne flori a foi na la sans c'est un bandit ne mo fo nya. Adombo be manege fato. Do re koko Dante, on ne parle pas à un chef de l'État comme ça. Je vous ai dit que ce n'est pas un chef de l'État. C'est un bandit. Si le chef de l'État, j'allais le respecter. Moi j'ai grandi aux États-Unis, je connais les bandits. Moi, j'ai grandi ici. À un moment donné, nous, on était dans la rue ici. Moi, je ne suis pas un enfant qui a grandi dans les fauteuils. Hein. Les gens des États-Unis me connaissent. J'ai grandi ici. C'est pas, moi, je ne suis pas tombé du ciel comme ça, groom. Non. C'est des bagages de l'espérance qui s'assoient ici pour vous causer. Né à Berk américain. Moi, je connais un bandit. C'est un vrai bandit. Alassane, c'est un, abafoumoua malla. Philomane, nedo. C'est un Philomane. C'est un vrai Philomane. Il a eu tout ce qu'il a dans sa vie en faisant ça. Et ça les a fait sourire jusqu'à aujourd'hui. Il a rencontré un jeune. Il s'appelle Dante. Il n'a jamais rencontré des hommes comme moi. C'est fini pour Alassane comme ça, hein. Ni vidéo, il a, ça va aller viral, hein. Fatim Guru est né à Bamakokura. Moi, je suis né à Wolofobougou. Oui, Alassane est né. Alassane n'est pas né. Il s'est retrouvé avec son père. Bazoum s'est retrouvé avec son père. Même histoire. Il est ladron. Nous, faillons sur le road là. Bazoum même, il dit que c'est comme ça on lui a délivré certificat de notoriété et 101018. Et il a traîné les garelles. Et pas bien, ça va les babous avec Akalango, Abelala, Kratien. Non, mais ça fait pitié. Mais ça fait pitié. Les bandits sont en train de diriger notre continent. Hein? Écoute, Bazoum. De mes pièces d'état civil. Moi, je suis né en 1960 à Bilabéré. Dans ce qui est aujourd'hui le département d'Ongourti, qui naguère était intégré dans le département de Ningimi. Mais je me suis retrouvé en 1966 à Tesker, où j'ai été inscrit à l'école nomade de Tesker. Et en 1967, il s'est retrouvé à Tesker. Donc Bazoum, il est de Libye. C'est un Libyen. Bazoum, c'est un Libyen 100%, hein. C'est un terroriste. Voilà. Bazoum, c'est un bandit. C'est un grand bandit comme Alassane Ouattara, Bekele. Il s'est retrouvé à Tesker. C'est un homme incohérent. Il a tout sauf l'acte de naissance. Il n'a pas de l'acte de naissance. Hein, voilà des étrangers. Sont en train de diriger le pays des gens et on les expecte de devenir d'autrement. Hein? Quand tu regardes ce qui se passe à Abidjan, tous ces gens-là qui supportent Alassane là, ce ne sont pas des Ivoiriens. C'est des Maliens, les petits Maliens là qui ont oublié leur histoire. C'est eux qui sont derrière Alassane. Alassane n'est pas Ivoirien. C'est les petits Maliens là qui ont volé au Mali, ils sont partis s'installer à Abidjan. C'est ça, hein? Les petits bandits là qui font les hommes d'affaires qui font des affaires avec, comme ils s'appellent, les Libanais là. Hein? C'est ça, les supporters de Alassane Ouattara. C'est un homme vendu comme eux-mêmes. Ce n'est pas un Ivoirien. Bazoum n'est pas du Niger. Et regarde, il est assis avec 3 filles pour rencontrer 4 lignes, 4 points, 5 points. 1960, 1966, 1967, et puis, delivery. Hein? Mais c'est pas la peine.
C'est de l'insulte au dernier degré. Hein? C'est de l'insulte au dernier degré. C'est ça l'histoire de Bazoum. Tu vois? C'est ça l'histoire de Bazoum. C'est pas la peine, hein? Donc, Bazoum, il n'est pas aussi de Niger. Donc, moi, je ne sais pas si en même temps, Pologne, il y a des problèmes en Pologne aussi. Et Pologne, ni Belarus, il y a des problèmes là. Et les Wagner, Wagner, donc, Pologne, il fait des trucs là, tu vois, parce que Wagner, il y a des trucs là. Bon, en même temps, en Europe aussi, les Européens disent qu'ils n'ont plus les moyens financiers pour continuer la guerre en Ukraine. Donc, les Européens ont fait des sévères là, qu'on est à niveau moment. Qu'on sait tout lui, de mal, tout lui, ou l'autre, c'est qu'il y a Ukraine, qu'il y a, ou l'autre, c'est qu'il y a continuer, quoi. Parce que, voir tout le boulot, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour continuer de faire la guerre en Ukraine. Au fond, comment est-ce que c'est là, c'est ça? Bon, Pologne, Poutine, d'où on a eu Pologne, Gouchi. On a eu un mec à Foko, que Pologne, a donné, mais non, il y a eu un mec à Diamana, qu'on a là. Que Pologne, a essayé de préparer la guerre, qu'il y a eu la Kama. Alors, donc, Poutine, qu'on connaît Pologne, boula, que Pologne va être attaqué. Donc, Amekoumala Erimna, et Poutine a déjà répondu à la Pologne. Parce qu'Amekoumala Erimna, que Wagner be Pologne a du coup qu'on a là. Jusqu'au point que Wagner et Rebecca Don 600, comme on a recruté Pologne qu'on a là. Il faut bien. Ça dit, Wagner donna, faut que Don Pologne qu'on a là. Comme on a ta couble à barre là, Pologne est qu'on a là. Donc, l'air est très très grave. Il faut bien. Donc, à Kanye, qu'on a là, qu'on a là, qu'on a là, et très rapidement, à Kanye, qu'on a là, Pologne qu'on a là, très vite. Donc maintenant, il est là qu'à fond maintenant, que Pologne qu'on a là, tout de suite. Donc, Samba de Begana, Ambarayan, quoi. Samba de Begana. Donc, maintenant, Pologne, il est là, très vite. Je vais vous montrer Pologne. Moumé, que Pologne, il est là, sans, sans, sans. Donc, l'air est grave en Pologne. Et parce que vraiment, il est là, il faut que Pologne soit en train de ouais, il est là, il faut que Pologne soit en train. Donc, Richila Koko Fouka Pologne de Tournant Chukono. Donc, je vais essayer de voir ce qui se passe à Pologne la Kouira ou là. Donc, Pologne vidéo au Tembolo, même si Kouira ou là, n'a chouré là, n'intéra entraînement garou là. Donc, on me boucan de Dauma très rapidement. N'y a que Mouka Dauma sur le quartier qu'on a là. Into next time. Ciao, Kambe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao, Kambe. Pour nous te faire des bafons.